Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, ça fait super plaisir de vous retrouver. Je suis actuellement donc à Languedoc pour ce nouvel épisode. J'ai loué un scooter et là je suis au milieu d'un marché. Je suis le seul blanc, ça fait deux heures qu'on promène. Je suis le seul touriste. Je suis situé au sud-ouest de Languedoc. C'est la première fois de ma vie où je me sens seul au monde dans un pays à l'étranger. Ça fait une sensation bizarre, en fait tout le monde vous regarde. On a vraiment l'impression, pas de déranger, mais voilà, ça cède. Les gens sont un peu genre, qu'est-ce qu'il fait là, c'est bizarre. En début de vidéo, j'en suis sûr, je vous ai fait rêver avec ces plages paradisiaques de Senghi. Mais je vous montrais aussi la réalité, j'en ai déjà parlé dans les dernières vidéos. Regardez comment c'est dégueulasse. Il n'y a pas besoin non plus de chercher à 14h. Regardez comment c'est dégueulasse. Il y a des détritus partout. Et ça, c'est un vrai problème. La gestion des déchets, je préfère pas m'aventurer à ce sujet. Mais c'est vraiment dommage que les gens sont super souriants. Là, devant moi, je vois des montagnes, je vois des super plages. Mais c'est tellement sale que... on se sent mal à l'aise en fait. C'est dingue la transition qui existe entre les hôtels de luxe à Senghi, où voilà c'est très touristique. Et ici, bah en fait finalement je me sens vraiment, comme je l'ai dit en départ de vidéo, je me sens seul. Languedoc c'est beaucoup moins touristique que Bali, c'est une île qui est située à environ 1h30 de bateau. C'est vraiment extraordinaire comme sensation. Pour louer le scooter ça m'a coûté 5€ pour la journée, donc en fait c'est 24h. Et l'essence c'est vraiment pas cher sur place, vous vous arrêtez dans les stations essence. Il n'y a vraiment pas besoin de dépenser les 1200. Et l'avantage c'est qu'on voit vraiment du terrain. Les îles sont grandes, il faut passer beaucoup de temps. Et du coup c'est pour ça que la location d'un scooter s'impose. Je vais louer des scooters prochainement à Bali. Regardez les petites poules qui crèvent de faim, c'est super bizarre, elles mangent des détritus. C'est vraiment la déchéance. Je voulais vous parler d'une situation glauque. Moi j'aime bien être transparent dans mes voyages et dire ce que je pense à chaud. En fait hier il y avait un cul-de-jatte et un manchot qui m'a fait la manche. En fait il était en train de ramper au sol, c'était super bizarre. C'est pour ça que cette vidéo elle est très spéciale. Je vois la réalité de l'Indonésie, je pense qu'à Bali bah, c'est très caché par le tourisme, voilà les hôtels de luxe. Là je vois vraiment la réalité et c'est vrai que c'est choquant en fait. C'est choquant parce qu'en fait à Languedoc il y a des hôtels de luxe. Et au final, bah, y a une pauvreté que je vois devant mes yeux, en fait, des gens, des clochards, c'est super bizarre. Bon, à la limite, on se sent mal à l'aise, mais on ne sent pas du tout en insécurité. Et là, en fait, je viens de rentrer de locaux, bah, là, tout de suite. Ils sont venus me demander si je pourrais prendre des photos. From France. French. Et là, derrière, vous entendez du bruit. En fait, c'est les mosquées. Donc, en Indonésie, la majorité, c'est la religion musulmane, donc il y a beaucoup de mosquées, sauf à Bali, où c'est hindouiste. Bon, je vais reprendre le scooter, je vais quitter cet endroit glauque pour continuer à explorer. Là, j'ai jamais été aussi... je me suis jamais senti à l'aventure malgré mes 2 ans en Australie. Là, c'est juste super bizarre parce qu'il n'y a pas de guide, il n'y a rien, c'est super bizarre. Et là, je vais m'aventurer dans les villages. Allez, ça va être l'aventure, je sais pas du tout où je vais, c'est la folie. On est dans un village et regardez, je sais pas si vous voyez, il y a des vaches, il y a des poules. Là franchement je suis dans un petit chemin, il n'y a même pas de... c'est même pas assez large pour passer en voiture. C'est juste incroyable cette sensation, elle est unique. C'est la première fois de ma vie que je me sens aussi proche des habitants. D'habitude bah voilà, j'ai voyagé en Australie où c'était beaucoup plus développé. Là c'est vraiment incroyable, c'est vraiment, faites-le, perdez-vous dans les sentiers battus, c'est juste incroyable. Voilà, je suis arrivé à l'hôtel, très fatigué, la conduite en scooter à Languedoc, c'est très très épuisant, il y a beaucoup de trafic, il faut vachement faire attention. La conduite est à gauche, franchement je suis hyper fatigué. Petite dédicace aujourd'hui à Sylvain M qui est fidèle depuis maintenant 2013, petite dédicace donc à Sylvain. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire, je vous donne rendez-vous à demain pour une prochaine vidéo. Et demain direction les îles Gili, allez salut les amis, à bientôt.